Bonsoir Anna, ah, attends, bonsoir Anna et bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Voilà. Bonsoir Emmanuel. Donc je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi, pour ta séance. Je remercie beaucoup Emmanuel et je te remercie toi. Merci à toi. Donc nous t'écoutons. Alors si tu peux faire bref et puis pas plus de 10 points, nous t'écoutons. Alors, donc déjà, je suis née le 11, le 12 août, mais en fait, je me retrouve plus dans le 11 parce que j'ai dû être déclarée tardivement. Donc, déjà, il y a une confusion, enfin, ça multiplie, disons, les possibilités par rapport à moi. Un gros traumatisme, même s'il faut dire historique. Bon, moi, j'ai été étranglée, donc je partais, je remontais, donc j'ai fait de la décorporation et une très mauvaise incarnation qui se retrouve certainement dans ma façon de fonctionner, et je suis très très branchée sur mes vies antérieures, donc toujours dans D'accord. l'au-delà. Alors j'ai Alors, travaillé parle-moi plutôt de tes problèmes. Là, tu me donnes des explications, c'est bien. Mais je veux connaître quel problème. En fait, quel problème tu as par rapport à ça? un problème d'attention, un problème de concentration. Donc je suis très dispersée dans tout. Alors il semble que je suis une structure HPE, hein, donc avec tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire je travaille beaucoup, je suis un peu décalée par rapport aux autres, hein, même une incompréhension, hein, etc. Hein, voilà, un mental très fort, aussi un ego et une inversion, une inversion. Donc, enfin, j'ai beaucoup de mal, à communiquer avec les autres, je me sens incomprise, non écoutée, enfin depuis toute petite, c'est comme ça. Donc je lutte tout le temps, hein, je passe en force, auto-sabotage, tous les empêchements possibles dans les roues, c'est tout, ça, depuis que je suis petite, c'est comme ça. Voilà. Donc je suis habituée, hein, à lutter, mais maintenant je veux laisser, sauf que j'ai eu un gros problème récemment, parce que en fait, je suis depuis 35 ans avec une personne qui est une structure de PN, et donc j'ai voulu la quitter, et donc j'ai acheté une autre maison, j'ai voulu partir, sauf que la maison, quand j'ai voulu, ça fait 10 ans que j'essaie de vendre la maison, et la maison est bloquée. Alors c'est un point très très important, puisque j'ai jamais pu vivre une vie de couple harmonieuse, authentique et tout, et pour moi c'est important. Donc voilà, j'en suis là, Alors, attends, et juste excuse-moi, venez. tu vas trop vite, excuse-moi, Anna. Donc, si j'ai bien compris, ta demande, c'est par rapport à la vente de la maison, c'est ça qui est bloqué? Parce que ça fait 10 ans que je suis bloquée. Ça va faire 10 ans là dans quelques mois, et c'est souffrant parce que ben voilà, c'est comme ça, et je ne sais pas quoi faire. J'ai tout fait. J'ai Bon, consulté beaucoup, on va j'ai regarder ce qui nettoyé se beaucoup, passe. et ouais, je ne D'accord. peux pas me réinvestir dans autre chose. Et donc Alors voilà. tu es séparé de cette personne dont tu dis qu'il est PN, c'est Alors, ça? le problème, cette personne n'a jamais voulu se marier avec moi, donc je n'ai pas besoin de me séparer, mais on a cette maison en commun qui reste, on n'a rien d'autre en commun, et là, ça bloque parce que la personne, ben, elle n'est pas, peut-être pas prête à vendre la maison. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose, mais c'est conscient ou inconscient. Voilà. C'est important pour moi parce que je peux me réinvestir dans rien d'autre tant que cette maison, c'est le lien qui reste entre nous deux. Hein. Alors certes, j'ai reconstruit la relation, hein, bon, bah, très bien, mais ça ne fait pas l'affaire, toi. Attends, excuse-moi. Donc vous êtes revenus ensemble, c'est ça que tu veux dire? N'est pas revenu ensemble, mais le problème, c'est qu'il y a 2 ans, ça fera 2 ans au mois de février, au moment où je venais de déménager toutes mes affaires, la maison où j'avais déménagé, tout a brûlé. Donc, c'est le prix d'une maison à reconstruire. Et donc, en février là, de 2021, on arrive aux 2 ans. Et là, j'ai encore des travaux à faire. C'est pas tout à fait fini. Voilà. Et donc, j'ai été obligée, l'assurance, comme c'était un gros sinistre, très gros sinistre, ils n'ont pas voulu me payer un autre logement parce que j'avais une résidence principale, puisque la maison qui est en vente, c'est une résidence principale, celle qui est avec mon compagnon. Donc je suis coincée. Voilà. Et j'ai Tu tout habites où? brûlé. Alors, tu habites avec lui, c'est ça que tu veux dire? Non, j'habite avec lui parce que là, je suis dans la maison justement en question, qui est en restauration, qui n'est pas tout à fait finie, mais le plus possible, je me dissocie parce que c'est une personne avec des toxicités, et moi, une fois que je me sépare de ça, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Hein, et puis même, voilà, j'ai un pris de trucs. Bon, oui, alors ce que je voulais dire, ben, c'est que ben, je suis empêchée de partir, retenue et obligée, puisque je suis 50-50 à la maison, et ben, de participer toujours depuis 10 ans à la moitié des frais de la maison, même si j'y habite pas. Parce que c'est une résidence principale. Voilà. Donc, D'accord.
Voilà, donc là, je vais complètement couper. Enfin, j'ai un enfant avec cet homme, donc je reste en très bon terme, c'est pas la question de ça, mais bon, je veux me libérer de ça. Hein, voilà. Oui, tu veux trouver une plage, tu veux te sentir libre. Voilà, je veux me sentir libre. Et tu veux parce que ça avance. Que, voilà, c'est tout nécessaire, hein, couper les liens toxiques, tout, mais disons, je peux rien faire. Voilà. Je suis bloquée. Alors, ça, c'est très important. Hein, voilà. Après, me réaliser moi, hein, par rapport à ma mission de vie, c'est très important. J'aime que les choses soient justes, hein, et donc me réaliser dans tout, hein, pour retrouver ma vraie voie, ma mission de vie, puisque je fais ben, des formations, dans ce but-là, ça fait un moment, et je nettoie et je nettoie. Alors, ce qui est important aussi, c'est que j'ai fait une fibromyalgie et je m'en suis débrouillée toute seule pour m'en sortir. Voilà, parce que c'est ce qui m'a déclenché le fait que je me suis lancée dans les soins, parce que je voulais comprendre pourquoi j'étais tombée malade, d'autant plus que j'ai perdu des personnes très chères, petites. À 9 ans, j'ai perdu ma mère. Enfin, à 9 ans, 11 ans, j'avais 11 ans, ma mère est morte d'un cancer, et j'étais la mère de ma mère, c'était moi qui la soignais, et j'étais séparée de ma mère. Et là, j'ai la blessure de séparation, enfin, d'abandon terrible, surtout que j'avais perdu déjà une jumelle dans le ventre de ma mère. Alors, il y a plein de choses. Et j'ai perdu un fils à 3 mois, mon premier fils, etc. Bon, et donc, ben voilà, je me suis construite que sur le stress et les situations d'urgence. Donc, conclusion au niveau cérébral, c'est que ça. Tout de suite, j'embraye dès que j'ai du stress. J'ai les cheveux qui tombent et j'embraye sur des réseaux neuronaux qui fonctionnent qu'en urgence, quoi. Et ça, je veux casser ça. Alors, je travaille là-dessus, sur le mindset, mais ça prend du temps quand même. Hein, voilà. Et surtout, avec une relation comme ça, avec un PN pendant 35 ans, eh bien, j'ai été dans l'isolement et complet, pratiquement complet, séparation de la famille, mais ça s'est fait très progressivement, comme la grenouille dans l'eau. Et ça, il faut se reconstruire, c'est très long. Donc là, même si ça a duré 10 ans que je suis comme ça à cheval sur les deux maisons, ça m'a permis quand même petit à petit de me reconstruire et de me réintégrer dans la société et de m'ouvrir au monde, puisque la personne m'avait coupé complètement de tout. Hein, voilà. Donc en gros, c'est ça, hein, les gros points. Hein, et je me sens tout le temps impuissante, donc coincée, complètement empêchée d'évoluer, tu vois. Mais là, avec la maison, il y a certainement un programme divin derrière, parce que pour moi, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Si j'ai fait des formations, ça m'a au moins aidé à comprendre certaines choses. Hein. Donc, j'aimerais quand même passer à autre chose, tu vois, et au moins profiter un peu de la vie, quoi. Et plus du tout être… Parce que là, moi, je suis dans l'aide aux autres, mais c'est plus, quoi. Hein, de par la famille, par tout ce que j'ai fait, nettoyer le gros karma de la famille, c'est vraiment énorme. Je travaille tout le temps. Et c'est pas la question de ça, mais je voudrais penser à moi, parce que là, c'est du sacrifice, tu comprends? Quand tu vas au-delà de... Oui, je comprends, oui. Et puis, j'en ai marre, là, tu vois, je commence à être épuisée, fatiguée. Bon, tu et... veux que ça bouge, hein? Tu veux que ça change, tu veux que ça bouge, c'est ça? Voilà, je veux que ça bouge, voilà, je veux être vraiment moi-même, hein, voilà. Et donc... plein d'autres problèmes, bien sûr. Alors là, je sens, c'est rigolo parce que c'est depuis que je vous ai contacté que je sens qu'il y a des évolutions, mais incroyables. Et là, même depuis plusieurs jours, j'ai des ressentis dans le corps partout. Hein. J'ai des brûlures qui me reprennent un petit peu comme s'il y avait des remontées au niveau de la fibromyalgie. J'ai du froid, du chaud, les circulations d'énergie, beaucoup de douleurs mâchoires, névralgie, dents, mâchoires. Mais ça, c'est commun chez moi. Hein. J'ai l'habitude. Hein. Quand j'évacue, j'ai souvent ce genre de choses. Hein. Donc, moi, je laisse venir. Hein. Je fais plein de soins différents et je laisse tout sortir. Hein. Je m'en fiche. Voilà, j'ai fait de la psychosomatique pendant 6 ans. Donc, j'ai l'habitude des soins. Hein. Voilà. Très bien. Tu peux m'en dire un peu plus sur tes problèmes de santé? Alors, attends, problèmes de santé. Alors, les problèmes de santé. Donc, là, j'ai du fibromyalgie. Ça a duré environ 12 ans. Hein, voilà. Tu l'as plus. Là, c'est fini, fibromyalgie. Ah non, ça s'est arrêté en 2010. Hein. Donc, on n'en parle pas. Tu me parles de ce qui est. Voilà. Après, j'ai eu j'ai des problèmes parce que c'est le stress de la tachycardie. Donc là, avec la C3I que je fais régulièrement, etc., certains types de soins, si tu veux, ça se tasse. Mais il ne faut pas du tout que je prenne de café, de choses comme ça. Parce que moi, j'ai démarre au cardiaque. Voilà. Donc, autrement,
J'ai toujours eu l'habitude de porter, de travailler comme un homme, hein, de porter des charges très lourdes, il n'y a rien qui... J'ai toujours fait d'ailleurs un travail d'homme, pratiquement, et travaillé qu'avec des hommes. Hein. Donc, je voulais dire dans ma tête aussi, j'ai des fréquences électriques et sonores qui passent, tu vois, ça me fait comme une longueur d'onde, un signal comme un éclair qui passe dans ma tête, hein. Ça traverse mon crâne et c'est... Bon, alors je ne sais pas à quoi ça correspond, mais enfin, électriquement... J'ai eu aussi des choses qui se déclarent toujours quand il y a des soins. Moi, c'est la nuit souvent. Et là, je fais des guérisons la nuit et j'ai des visions la nuit. Et aussi, il y a plein de choses qu'on me transmet. Parce que je pense que je n'ai pas été... comme ça, c'est mal passé l'incarnation. C'est comme s'il y avait plein de choses qui ne m'étaient pas parvenues à mon incarnation. Et là, on me balance des tas de choses que je visualise comme ça, mais je ne peux même pas les visualiser. Ça va très, très vite. Hein. Que ce soit si, comme... des hiéroglyphes, un petit peu comme de l'Égypte ancienne, des choses qui balayent, ou d'autres choses qui passent comme ça à toute vitesse. Hein. Et des sons qui, mettons, il y a 3 ans, pendant un an de temps au moins, je ne le fais plus maintenant, je me suis mis à dire des dialectes que je ne comprends rien du tout, c'est assez mélodieux, mais je dis plein de choses, quoi, tu vois. Et dernièrement, ce qui m'est arrivé, c'est juste au niveau du confinement, je revenais de Paris parce que j'avais un séminaire qui a été annulé avec un docteur. Et suite à ça, je suis rentrée chez moi et je venais juste de m'endormir. Une demi-heure après, j'ai eu un flash. J'étais dans ma chambre, dans mon lit toute seule. Tout d'un coup, j'ai eu un flash. Ça a éclairé absolument toute la chambre. Et en l'espace d'un quart de seconde, alors je voulais avoir des explications par rapport à ça, il y a eu une lumière blanche, mais comme si j'étais sur une estrade, hein, tu vois, en pleine lumière. J'ai été pris, comme si j'étais prise en photo, j'ai entendu le bruit d'un appareil photo, mais un appareil photo à l'ancienne qui fait un déclic, tu sais, clac, et je me suis vu ma tête encadrée avec tout un tour métallique. Et j'ai vraiment pris peur, quoi, tu vois, parce que le week-end en question, il y avait des flics partout avec des mitraillettes et tout, à la guerre, au machin, juste avant, au moment du confinement, parce que j'étais à Paris quand ils ont déclaré le confinement. Et là, je me suis dit, comme si j'avais été repérée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et comme je fais aussi des choses par rapport à la lumière, etc., donc je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose à venir? Enfin, voilà, est-ce que c'est lié au solaire, hein, parce que j'ai fait aussi des soins esséniens. Enfin, je ne sais pas. Hein, mais j'ai eu très, très peur. Et d'ailleurs, quand c'était tellement violent, je me suis retrouvée, j'ai caché mon visage et j'ai eu très. Voilà, bon, voilà des choses comme ça. Alors, je suis branchée, évidemment, sur la très, très grande souffrance qui chez moi, s'est produite à la naissance. Et puis. C'est répercuté en fibromyalgie et donc voilà, c'est assez... alors, les acouphènes, je t'ai parlé. Bon, la peur de me noyer, ben ça vient aussi de ma naissance, bien sûr, parce que j'étais en siège, donc j'étais... Plus on me tirait, plus on m'étranglait, donc j'ai bu la tasse aussi, voilà. Les fréquences, je t'ai dit, intoxiqué. Alors, suite à mon incendie, là, sinistre, je suis intoxiquée aux métaux lourds, mais personne veut le croire. Alors, j'ai fait un scan, enfin, je me suis débrouillée, mais j'ai 3 fois le taux et j'arrive pas à désenclaver les métaux lourds. Alors, je sais pas si on peut faire quelque chose là-dessus, mais c'est pas de la tarte. Et pourtant, j'ai pris des probiotiques, du charbon, enfin, je fais tout. Je fais des détox régulièrement, voire, hein, enfin, je ménage pas, rien du tout, hein, mais bon, ça marche pas toujours. C'est comme d'accord. Ça, voilà. Ok. Voilà. Alors, bon. C'est déjà Il y a déjà pas mal de points, tu sais, il y a beaucoup de choses. Tu as encore des trucs très importants ou pas, là? Tu m'as dit l'essentiel. Le problème de couple, le problème de ma structure, hein, qui est comme ça. Et donc, je suis hypersensible, hyper émotif. Alors, je fais de l'énergétique, donc j'ai diminué des taux, je fais enfin, des trucs comme ça. Il n'y a pas de souci. Je m'en débrouille de ça. Mais si tu veux, j'ai une insécurité émotionnelle quand même à 10. Donc, si tu veux, je suis toujours, voilà, ça fait un peu le yo-yo. Et dès qu'il y a une émotion, automatiquement, le stress enfin, je suis dans des extrêmes. C'est très difficile que je reste équilibrée, moi, hein, voilà. D'accord. C'est comme okay. Ça. Je le stresse, je fais avec. Hein. Et puis, alors, un problème de mémoire, ça, c'est de naissance. Depuis que je suis petite, je ne retiens absolument rien. C'est comme si on m'avait coupé cette faculté. J'entends. Mais je ne peux pas retenir. Donc, j'écris absolument tout. Donc, toutes mes formations, tout est écrit, tout est enregistré parce que sinon, je ne m'en sors pas. Et si je les relis après, puis le fait de les prendre en écrit, au niveau, c'est kinesthésiste au niveau de la main, donc c'est OK. Mais si tu veux, ça, c'est un problème pour moi au niveau de la mémoire. Hein. Voilà. Bien. C'est très important. Et puis, moi, j'ai besoin de comprendre. Voilà. Bon. Dis-moi, Anna, est-ce que il y a des personnes que tu veux inviter pour ta séance?
Ah ben, j'ai personne ici pour inviter. Je suis toute seule. D'accord. Non, je veux dire des personnes de ta famille, d'amis, Oui, etc. Tu sais, oui. on fait venir sur un plan subliminal les personnes qui sont intéressées pour qu'elles profitent du travail. Est-ce que tu as des personnes... Ce qui me semble bizarre aussi, je voulais te poser une question par rapport aux flammes jumelles, parce que j'ai rencontré quelqu'un, mais comme ça, hein, pour que je lui ai fait le numéro, et si tu veux, cette personne-là, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec elle, mais je ne l'ai pas revue depuis 7 mois, et j'ai aucune façon de la contacter, ni rien du tout. Donc, cette personne-là, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que je ressens des choses, et j'ai des messages en plus. Qui doit la concerner, parce que je visualise des choses, tu vois. Alors, je me dis justement, cette personne-là, si j'ai vraiment un lien avec cette personne-là, eh ben, certainement, dans ce cas-là, c'est pas comme une âme sœur, si c'est une flamme jumelle, il doit y avoir une répercussion sur cette personne-là, je pense, sur le lien. Parce que vu ce que je ressens, moi, alors c'est vrai que je suis peut-être plus sensible que d'autres, hein, je reconnais, voilà. Donc c'était simplement ça, je voulais savoir s'il y avait une répercussion, là, ce que je vais faire, à mon avis, et si moi je ressens ça, bon, mais comme j'ai aucune nouvelle, la personne, j'ai pas de coordonnées, je peux pas du tout savoir s'il y a quelque chose ou pas, hein, comment ça se passe de l'autre côté, je sais pas. J'ai Alors pas ça compris m'intéresse. ta question alors par rapport à cette personne. C'est quoi ta Qu'est-ce que tu question? dis? Ben, ma question, est-ce que par rapport, quand il y a des liens de flammes jumelles, si on fait un soin comme ça, ben, à mon avis, ça a certainement une répercussion sur l'autre personne. Non? Si la personne n'est pas consentante, non. Non, non, c'est pas automatique, hein. Non, non. Je peux pas la joindre, c'est sûr qu'elle n'est pas consentante. Mais là, je peux joindre personne, là. Non, mais Je peux. tu sais, c'est pas comme ça. Anna, tu n'as pas l'habitude de voir mes vidéos? Tu sais pas comment ça fonctionne. En fait, je propose aux personnes de faire venir des personnes sur le plan subliminal. C'est-à-dire que ça peut être la famille, des parents, même ils ne sont plus de ce monde, tu vois. Enfin, voilà, ou des amis, des connaissances, le compagnon, enfin, voilà. Et moi, je veux bien mon fils, par exemple, mon Voilà. fils. OK. Mon fils. Voilà. C'est tout? Ben, je peux mettre aussi ma fille, parce que mes enfants, c'est important pour moi, Voilà. effectivement. Tu n'as que 2 enfants? J'ai 2 enfants, oui, parce que mon premier fils est décédé à 3 mois. D'accord. Bon, mais écoute, c'est bon pour toi, là? Bah écoute, oui, parce que bon, il faut que je OK. réduise alors. Oui, parce que tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'ai l'impression que ça durerait des heures. C'est pas le but. Je pense que tu m'as dit l'essentiel et le reste, de toute façon, comme beaucoup de choses ont la même racine, le reste va se travailler avec. Ouais. J'ai une structure de sauveur, quoi, évidemment. Hein. Comment? J'ai une structure de sauveur, Ah évidemment, oui. parce que voilà, et c'est normal parce que j'ai été 35 ans avec une personne voilà, qui avait la structure plutôt de peine. Alors voilà, on se retrouve Très là-dedans. bien. Donc, si l'expérience, c'est bon. Très bien, Anna. Alors, je t'invite à couper le son et puis nous, on part pour l'aventure. D'accord? Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 327. 327. Parfait, je te laisse augmenter en tenant compte de la situation. 26 300. Est-ce qu'au vu de la situation, tu te sens au-dessus d'elle? Oui, je suis au-dessus. Bien. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 390. Ok, je m'aligne sur toi. C'est bon. Bien, alors à présent, connecte-toi sur Anna et dis-moi comment tu l'aperçois. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, il y a une coupure. Oui. Très bien. Sur Anna, dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a beaucoup de chaleur autour d'elle. Oui. Ces mêmes sensations de brûlure fugace, elles sont aussi autour d'elle, dans son espace énergétique, à sa surface et à l'extérieur. C'est quelque chose d'agaçant, de dérangeant pour elle. Ça la met en état d'être toujours en alerte, un petit peu comme quand tu te tiens trop près d'un feu où il faut faire sans arrêt attention à ne pas se laisser brûler par une flamme plus grande que les autres.
Donc ça maintient une sorte d'état d'alerte et d'insécurité constante. D'où est-ce que ça vient, cette chaleur autour d'elle? C'est la zone où elle se trouve, c'est une zone fréquentielle où elle se trouve, où il règne cette chaleur et ces sortes de flammes. Une zone fréquentielle, tu veux dire géographique? Non, c'est pas géographique, c'est énergétique. D'accord. Quand tu dis où elle se trouve, tu parles de sa partie subliminale? Alors, sa partie subliminale se trouve dans cette zone-là, mais c'est en lien direct. Ça affecte aussi sa partie physique et toute sa bulle énergétique. D'accord. Ça vient l'englober complètement. Alors, c'est quoi cette zone fréquentielle? Elle se trouve où exactement? C'est un petit peu comme si c'était les flammes de l'enfer ou quelque chose comme ça, ou tel que l'on se les représente en tout cas. Il y a des présences démoniaques autour d'elle qui ont des sortes de pics. Alors ça fait comme des sortes de... C'est à la fois comme des fourches et c'est à la fois comme des sortes de tasers qui délivrent des fréquences qui piquent, qui dérangent, qui aiguillonnent. D'accord. Elle est sans arrêt dérangée, elle ne peut pas être tranquille, il y a toujours ça autour d'elle qui vient la faire aller dans une direction. Tu sais, dans ces villes où il y a des férias avec les jeunes taureaux qui sont lâchés dans les rues et qui sont excités, aiguillonnés sans arrêt pour aller dans telle direction. Elle est un petit peu dans cette condition-là, dans la condition de l'animal. D'accord. Avec une sorte de folie, de surtension, une sorte de folie furieuse autour d'elle. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette partie subliminale? Elle s'est retrouvée acculée à l'incarnation. Elle s'est retrouvée acculée à l'incarnation. Se poser, se cacher ou quelque chose comme ça. Un peu, c'est une analogie toujours avec ces jeunes taureaux qui sont lâchés dans les rues. Et quand un jeune taureau arrive à trouver une impasse ou un endroit où il peut se poser... et échapper à la folie des hommes. Là, c'est un petit peu la même chose. D'accord. Et du coup, elle se retrouve dans ce lieu très inconfortable. Oui, parce que l'incarnation a été faite par défaut, et au lieu que ce soit une zone de repos, c'est l'inverse. C'est encore plus inconfortable que la période que cette phase de pré-incarnation. Quand tu dis que cette incarnation s'est faite par défaut, qu'est-ce qui s'est passé? Reviens en arrière, va à ce moment-là, de cette décision. Elle est dans des sortes de... en phase de pré-incarnation, elle est dans des sortes de labyrinthes énergétiques. Elle est comme en train de fuir, d'échapper à des poursuivants. Il y a une angoisse, une pression sur elle. Il y a des portes qui s'ouvrent le long de ce labyrinthe. Chaque porte est une incarnation. Et l'incarnation présente est une de ces portes. D'accord. Et qui sont ces poursuivants auxquels elle cherche à s'échapper? Elles sont multiformes, mais là elles se montrent telles des présences démoniaques. D'accord. Oui. Que celle avec laquelle elle se trouve. Oui, et vraiment telle que l'on représente les démons. D'accord. C'est-à-dire rouge noir avec des cornes, les yeux rouges. C'est bizarre. Ce sont des apparences qu'ils te donnent puisque tu me dis qu'ils sont multiformes. Mm-hmm.
Est-ce que ce sont des apparences qui se donnent par rapport à ton regard à toi? Ce sont des apparences symboliques, mais s'ils quittent cette apparence, c'est des sortes de nuages noirs. Quand ils quittent la forme, ce D'accord. sont des nuages noirs, mais qui ont la même fréquence énergétique. Ok. Et c'est de nature démoniaque, que Voilà. n'importe quelle forme que ça prenne. C'est ça qui compte. C'est démoniaque et c'est pas bienveillant. Non. Et ça lui cause des gros soucis. Bon. Oui. Ok. Et comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans ce labyrinthe alors? Remonte encore en arrière, regarde qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve dans ce labyrinthe. Ça fait très longtemps qu'elle y est. C'est-à-dire que pour remonter, il faut remonter le labyrinthe. Il y a beaucoup de Ouais. circonvolutions. Alors non, tu prends de la hauteur et tu cherches le début, tu vas pas faire tout le labyrinthe. Hein. Tu prends de la hauteur, tu sors du labyrinthe et tu cherches le début. Tu me dis où ça t'amène. Ça m'amène au-dessus de roues d'incarnation. Il y a plusieurs roues d'incarnation. Et il Ouais. y a d'autres humains. C'est pas serein du tout, ce lieu-là. Il y a des cris. C'est très stressant, angoissant. Il y a une sorte de vertige qui est là. Avant l'entrée dans la toute première entrée dans le labyrinthe, Oui. qu'est-ce qu'elle fait là? Dans ce lieu où il y a les cris et où c'est angoissant. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Elle est prisonnière là, elle ne peut pas ressortir. Ah, elle est Sa prisonnière. seule porte de sortie, c'est d'emprunter un labyrinthe, c'est ce qu'elle a fait. Alors qu'est-ce que alors voilà la situation qui l'a mis à être prisonnière. Remonte en arrière, tu arrives au moment où elle est libre. C'est avant l'entrée dans la matrice artificielle. Ah, donc dès qu'elle est entrée, elle a été capturée, c'est ça? Oui. D'accord. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre alors? 79. 79 vies. Ça représente une boucle parmi d'autres ou c'est la seule? C'est le nombre de portes qui jalonnent le long de ce labyrinthe. D'accord. D'accord, mais ça représente une boucle parmi d'autres ou c'est la seule boucle? Il semble que ce soit la seule boucle parce que je ne perçois pas d'autres labyrinthes. Il est en train de se rétrécir, ce labyrinthe, mais comme elle ne veut pas retourner en arrière dans cette salle avec ses roues d'incarnation. Excuse-moi, il y a une coupure. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, donc je te disais. Parmi d'autres, ou c'est la seule? Tu me parlais du nombre de portes qui correspond à 79 billes. Je ne perçois pas d'autres labyrinthes. C'est comme si elle était obligée d'avancer sans pouvoir reculer dans ce labyrinthe. D'accord. Et puisque nous y sommes, d'où est-ce que, avant la matrice, d'où est-ce qu'elle est arrivée? Regarde, va au moment avant d'entrer dans cette fausse matrice. Dis-moi où est-ce qu'elle se trouve et dans quelle forme? Donc je compte à trois, ton esprit t'emmène. 1, 2, 3. Avant la toute première entrée dans cette matrice. Il y a une sorte de vaisseau très plat qui apparaît, circulaire, extrêmement plat, immense. Extérieurement, ça ressemble à une sorte de nuage. C'est pas un nuage, c'est un vaisseau. Oui. C'est plat, c'est brillant, comme une sorte de métal luisant, brillant. Elle est à l'intérieur? Elle est à l'intérieur. Il y D'accord, oui. a plusieurs de ce type de vaisseaux qui sont à l'extérieur de la matrice artificielle. Et nous sommes où là? Dans notre univers, mais à l'extérieur de la matrice artificielle, ces vaisseaux sont stationnés là, comme pour surveiller l'expansion de cette matrice artificielle. Et empêcher qu'elle dépasse les limites. C'est comme des sortes de sentinelles. Et d'où est-ce qu'ils viennent, eux?
Ceux-là viennent d'Arturius, mais il y a d'autres. C'est comme s'il y avait plusieurs types de vaisseaux, mais ceux-là viennent de là. Ok. Et donc, elle, dans ce vaisseau, elle vient d'Arturius, c'est ça? Il semble qu'elle soit née dans ce vaisseau. Ils sont là, la notion de temps n'est pas la même que celle que nous percevons ici et maintenant. Et il y a des cycles de vie complets qui s'effectuent au sein de ces vaisseaux, qui restent stationnés là. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle est entrée dans la première fois dans la grille, qu'elle a franchi la grille magnétique, la fosse? De ces vaisseaux se détachent ce qu'on peut appeler d'autres types de vaisseaux, mais plus petits, qui sont envoyés en éclaireur. Quand la matrice artificielle s'expanse et se boursoufle, ça fait comme des boursouflures. Dans ces moments-là de boursouflures qui sont dangereuses pour l'équilibre global cosmique, il y a plusieurs de ces petits vaisseaux qui se détachent de ce que l'on pourrait appeler ces sortes de vaisseaux mères plus grands et qui, eux, sont immobiles et stationnaires. Ces petits vaisseaux viennent... leur objectif est de résorber la boursouflure de la matrice artificielle et d'en empêcher l'éclatement sur la zone où se trouve l'anomalie. D'accord. Donc, ils partent comme une espèce de mission, alors? Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'ensemble de la flotte de laquelle elle faisait partie a été comme avalée. La boursouflure s'est déchirée et la flotte de ces vaisseaux a été aspirée. D'accord. Et on connaît la suite. Il y a une aspiration directe ensuite dans cette salle avec cette grande anxiété, angoisse et ces roues d'incarnation. Ok. Bon. Alors, reviens ici et maintenant. Oui. Continue à la scanner, à la regarder. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est comme si elle était hypersensible à tout ce qui est électromagnétisme. Déjà de par la nature de son essence et d'autre part de par les dispositifs qu'elle a sur elle. Alors parle-moi-en. Qu'est-ce que tu vois? Au niveau de la tête, elle a des dispositifs qui fonctionnent par paire, c'est-à-dire par deux. Il y a une première paire qui est située en arrière c'est derrière les oreilles. Tu sais, derrière les oreilles, ça fait légèrement bomber au niveau du crâne. Eh bien, là, il y en a deux là. Il y en a deux autres aux tempes. Et il y en a deux autres de chaque côté de la tête vers l'arrière de la tête. Et encore deux autres au niveau de la nuque, qui sont plus rapprochés, ces deux-là. Qu'est-ce qui lui cause comme problème tout cela? C'est comme s'il y avait des arcs électriques entre les éléments de chaque paire de dispositifs. Une sorte de confusion, une dispersion de ces pensées. Oui, confusion mentale, dispersion au niveau de ces pensées. Au niveau de ses actions, elle n'arrive pas à se poser, elle n'arrive pas à se situer. C'est comme si elle était ballottée énergétiquement dans tous les sens, en ayant perdu le sens de l'orientation. Bon, eh ben on retrouve tous ces symptômes, y compris les oreilles. Oui, les oreilles, je suppose que c'est ça aussi. Oui, c'est directement lié parce que
ça crée ces deux-là, ces deux dispositifs-là qui sont derrière les oreilles, ça crée littéralement comme un courant électrique entre les deux qui traverse la tête. Ok. Bien. Est-ce que tu vois d'autres choses si tu continues à scanner tous ces corps? De haut en bas, intérieur, surface, extérieur. Au niveau de ces glandes surrénales, il y a deux sortes de pastilles. Ça fait deux et deux. C'est toujours par deux. Qu'est-ce que Donc ça ça fait cause comme problème, ça? quatre pastilles de la fatigue. Ça vient comme l'abaisser, abaisser ses fréquences. Et ça lui cause de la fatigue, une moindre résistance au stress, moindre résistance au stress. D'accord. On retrouve tous ces symptômes, quoi. C'est comme si elle avait une sorte de courant électrique qui lui traversait sans arrêt tout le corps. Et cette sorte de courant électrique traverse aussi tout son espace énergétique. Ça vient affecter tous ses corps subtils, le vital, l'émotionnel et le mental. D'accord. Est-ce que tu as autre chose? Pour l'instant, non. C'est déjà pas mal. Ok. Alors, identifie-la, regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle, de Anna. Oui, c'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, puisqu'elle me prête son pouvoir le temps de cette session, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle. Donc, jusqu'au plan archaïque. Je compte à trois, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Alors, qui vois-tu? Il y a ces mêmes présences démoniaques, mais qui sont très présentes. Et elles sont non seulement autour d'elle, mais elles rentrent et elles sortent de son espace énergétique, qui est comme poreux et non équilibré dans sa structure. D'accord. Qu'est-ce qui leur permet d'entrer et de sortir? Qu'est-ce qui donne cette porosité? C'est cette sorte de courant électrique qui circule dans toute sa sphère énergétique. C'est ce qui Ça, facilite. oui, ça ouvre les portes. D'accord. Alors, il y a ces démons. Qui vois-tu d'autre alors? Y a des reptiloïdes qui sont là aussi. Ils interviennent dans un deuxième temps. C'est-à-dire eux ont commencé à se connecter à elle quand elle était déjà dans le labyrinthe, dans ce Okay. labyrinthe de préincarnation, alors que les présences démoniaques se sont connectées à elle dès l'entrée de la matrice artificielle. Bien. Et alors, ces reptiloïdes, quel rôle jouent-ils dans sa sphère énergétique? Il joue avec elle. De quelle manière? Ils interviennent dans tous ces rapports humains. Le groupe de reptiloïdes qui est en quelque sorte rattaché à elle utilise les humains comme des pions, des pièces d'un jeu. C'est un jeu pour eux c'est comme d'organiser des circuits relationnels entre les humains. Ils mettent des humains en présence, puis ils les séparent, puis ils les remettent en présence. Ils créent des situations à résoudre. Comme un jeu, c'est un jeu. D'accord. Pour voir comment ça se passe ou pour la titiller, c'est quoi le truc? C'est
comme nous, on peut, ou on a pu le faire dans l'enfance, s'amuser avec des insectes. On les bloque d'un côté pour voir de quel autre côté ils vont repartir. C'est la même chose. D'accord. C'est ce qui se passe avec son ex-mari ou compagnon. C'est lui qu'elle appelle le PN. Oui, ils sont comme des marionnettes. D'accord. Ok. Qui sont les auteurs de ces dispositifs que tu as vus? Ce n'est pas les démons, puis ce n'est pas leur spécialité. Et ce n'est pas dans leur... Non, c'est les reptiloïdes. Ça leur permet de diriger à distance. D'accord. Ça leur permet d'organiser. C'est un petit peu comme, tu sais, ces avions miniatures que tu diriges à distance. Ça leur sert d'émetteur-récepteur, de capteur. Téléguide, enfin, etc. C'est ça. D'accord. Tous les dispositifs où tu en vois qui sont posés par d'autres entités? Non, ce sont eux qui ont posé tous Toutes les dispositifs. Parties. Oui. D'accord. Bien. Alors, qui vois-tu d'autre? Continue à scanner, on a dit jusqu'au plan archiabélique. Il y a d'autres présences démoniaques qui sont plus puissantes que les premières qui ont été vues. Et en arrière-plan, les archontes. Ok. Bon. Eh bien, même si l'inventaire n'est pas exhaustif, qu'il y en a qui se planquent, c'est pas grave, ils dégageront avec. Donc, elle va alors exprimer qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, et dans tous ces états de conscience. Donc, elle ouvre un portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archiabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine ou à ses énergies d'origine vues et pas vues, disparaissent avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Alors, tu la mets dans une bulle christique déjà, de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. C'est fait. Et se connecte à sa source. C'est fait. Donc elle prend de la force vitale de Gaïa. Oui. Et de son essence, elle récupère donc de l'énergie, de l'information et de la conscience. C'est fait. Maintenant, je veux que tu la scannes et tu me dis s'il reste quelqu'un ou quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Il reste juste comme des restes de circuits électriques qui émettent des fréquences. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés ceux-là? Elle les a gardés pour comme base d'énergie pour elle, pour garder de l'énergie. Non, alors c'est faux. Donc tu lui expliques qu'elle n'en a pas besoin. Elle va récupérer cette énergie de sa source. C'est beaucoup plus efficace. C'est plus productif et c'est moins coûteux. C'est comme si elle n'avait pas l'habitude. Elle s'est habituée à ce type d'énergie électrique. Elle a du mal à s'en séparer. Ok. Alors demande-lui si elle veut faire un essai. Oui. Oui. Voilà. Propose-lui simplement de s'en débarrasser. Le temps de l'expérience. Elle s'en débarrasse, elle les met de côté. Et elle récupère de sa source et du cœur de Gaïa des énergies dont elle a besoin. Et si ça ne lui convient pas, elle récupère son matériel. Elle est OK avec ça? Oui. Donc elle enlève tout, elle met tout de côté. C'est fait. Maintenant, elle récupère l'énergie de sa source et du cœur de Gaïa. C'est fait. Comment est-ce qu'elle se sent? Plus calme. C'est une sorte de fraîcheur qui arrive. C'est plus agréable. C'est déroutant aussi.
Alors, poser la question maintenant, est-ce qu'elle veut revenir comme avant? Est-ce qu'elle veut récupérer le matériel? Non, elle veut rester comme ça. Bien. Alors, donc on élimine. Et c'était sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Vérifie, tu scannes tous ses corps, vérifie qu'il ne reste plus rien. C'est fait. Très bien. Tu as fait plusieurs fréquences? Oui. Bien. Alors maintenant, tu vas me dire où se trouve son soi supérieur et dans quelles conditions. Comment est-ce qu'il voit cette situation? C'est comme une sorte de spectacle. Il n'y a pas d'affect particulier par rapport à la situation. D'accord. Comment est-ce que tu vois son âme? C'est comme si elle avait lâché l'affaire, son âme. Ça va trop vite pour elle. Il y a trop de cette chaleur, de cette électricité. Ça ne lui convient pas. Elle s'est mise en retrait. Est-ce qu'elle est affectée? Elle est dérangée. Ok. Et donc, sa partie subliminale est toujours dans ce lieu, donc. Oui. Dont tu parles? Elle est mal à l'aise. Mmh. Ok. Bon, alors on a vu d'où est-ce qu'elle venait, on a vu quelles ont été les circonstances de cette situation, nous avons toutes les informations nécessaires. Demande à son soi supérieur, qu'est-ce qu'il est mieux pour elle maintenant? Est-ce qu'il est mieux de partir du plan Moronciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une vie donc de Anna à Neuf avec tout son potentiel disponible? Ou est-ce qu'il veut partir d'une autre situation? Repartir du plan Moronciel. Très bien. C'est ce qui me semblait. Mais bon, on ne sait jamais. Bien. Alors, c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais compter à 3 et ton esprit va t'amener sur le plan Moronciel avant toute manifestation dans la forme. Et tu vas la trouver. 1, 2, 3. Oui. Bien. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, elle le sait. Bien. Donc, je vais lui proposer d'aller directement à l'orée de cette incarnation en tant qu'Anna, pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer sa vie à neuf. C'est correct oui. pour elle? Oui. Et pour éviter tous les pièges matriciels, bien sûr, elle va aller en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et instantané. Donc je compte à 3 et on y va. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Bien. Demande-lui quels sont ses projets maintenant sur cette nouvelle ligne de temps dans ces configurations, dans cette physicalité d'Anna. C'est de rétablir le lien avec les autres parties du soi supérieur. De retrouver le contact avec le soi supérieur. Qui n'était plus là. C'est pour ça que cette incarnation humaine apparaissait comme quelque chose de lointain, plus de contact. Et rétablir le contact. Ok, ça lui permettra quoi? Quels sont ses objectifs une fois le contact rétabli? Ça lui permet de vivre pleinement cette incarnation humaine présente et d'en prendre plaisir, de s'accorder, c'est comme s'accorder un cadeau, s'accorder le cadeau de la vie. S'accorder le cadeau de la vie, de la vie sur Terre. Très bien, très beau programme. Ok, alors dis-moi à quel moment elle choisit d'entrer dans sa physicalité à 100%. Au moment de la conception. Bien. À quel pourcentage est-elle connectée à son essence à ce moment-là?
97%. Alors, proposer de monter à 100%. C'est fait. Bien, maintenant elle va se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle va programmer uniquement pour cette existence. Oui. Elle va travailler maintenant sur son arbre généalogique et décider de ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut le couper entièrement ou partiellement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Couper. Ok. C'est bon. Très bien. Maintenant, son ADN, que compte-t-elle faire? Est-ce qu'elle veut le refaire à neuf ou est-ce qu'elle veut le réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Le refaire à neuf. Très bien. Est-ce que son ADN, c'est tout le sien ou est-ce qu'il y a une part qui n'appartient pas? Non, tout est à elle. Ok. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire et empreinte. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Oui. Pour recréer son ADN à neuf, elle prend l'arbre de création et le réalise suivant la meilleure version compte tenu de ses objectifs sur ce plan. C'est fait. Comment est-ce que tu vois Délice ? 2. Très bien. Est-ce que des programmes sont nécessaires à être installés pour ce qu'elle a à accomplir ? Oui. Il faut qu'elle en installe, d'autres supplémentaires. Oui, quel type ? C'est la possibilité de créer, de faire des mises en liaison, des mises en relation entre des événements. Mais ça vient d'elle. C'est comme une sorte de réseau neuronal, c'est comme créer des nouveaux réseaux de neurones, quelque chose comme ça. Mais là, c'est au niveau de l'ADN. Ok. Elle peut installer ses programmes maintenant ? Oui. Alors qu'elle les installe et les active. C'est fait. Y a-t-il d'autres programmes qu'elle peut installer ? Non, c'est correct de cette façon. Ok, alors qu'elle s'arrange, que ça touche au plus près de la physicalité. Oui. Bien. Au niveau de l'ADN, c'est bon ? Oui, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, elle va remonter la ligne juste avant sa naissance. Et dis-moi combien elle est connectée à sa naissance à ce moment-là. 77%. Très bien. Alors, proposer de monter à 100% et de vérifier ses racines. C'est fait. Bien. Alors, à présent, elle va s'apprêter à venir au monde. Donc, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel tout autour et elle vient au monde. Oui. Et elle va remonter toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, de pourquoi elle est là. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, son équilibre parfait sur le plan neuronal et sur tous les autres plans. Oui, elle est là. Bien. Alors, elle va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'autant de faisceaux d'énergie que nécessaire et sur sa propre source. C'est bon. Et nous allons effacer l'ancienne ligne de temps, avec tous les potentiels coexistants, dépassé, présent, futur, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour cela, elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller, et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Bien. Alors, je vais inviter, bien sûr, Anna à être pleinement participative de sa séance. Imaginez, vivre, ressentir, acquiescer à tout ce qui se passe. Pour favoriser, bien sûr, une bonne intégration. Alors, rompre et effacer.
Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, alliance, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui. Rompre avec toutes les lois matricielles, les lois archiavéliques, les lois du karma. Rompre avec tous les archétypes et les égrégores. Et rompre également avec les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous allons rompre également les lois de conséquentialité pour toute la séance. 1, 2, 3. C'est fait. Rompre et effacer, avec racines et système reproducteur, toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances et les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Bien. À présent, tu vérifies s'il y a des copies ou des parties d'elles quelque part. Non, il n'y en a pas. Bien. Alors, on intègre tout ça dans ces différents états de conscience. C'est fait. Elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auquel je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière active, en menant un contrat, dispositif, implant, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Donc, si tout ne la concerne pas, tout y est proposé. Donc, elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie, ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui.
et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le « je » n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare. Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé et de succès. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée, car je sais que je suis maîtresse de mes bulles de création. Oui. Et responsable. Bien, maintenant le protocole du pardon. Elle déclare. De mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle veut conserver si c'est bon et juste pour elle. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et donc déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. À présent, tu vas la scanner. Scanner tous ces corps sur toutes les fréquences et regarder s'il y a quelques marquages ou traçages matriciels ou quelque chose qui permettrait que ces entités reviennent. Non, il n'a pas. Bien. Parfait. Alors, elle va entrer dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Bien. Elle va faire connaissance avec l'élémental de son corps. Et dis-moi, toi, comment tu le vois ? Il a une forme humanoïde. Mais les connexions sont déjà établies avec les bases de la fleur de vie. C'est déjà fait. Bien. Très bien. Alors, donc, elle va demander à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, nettoyages, guérisons, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, organes, fonctions. Oui. Donc pour ça, elle va connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Bien. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui.
Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Vérifie que tout ce protocole bénéficie aussi à toutes les parties d'elle. Multidimensionnelle et autres. Mmh. Oui, c'est le cas. C'est correct. Bien. Alors, nous allons installer les programmes de protection. Alors, installer un programme de protection anti-ondes et fréquences nocives. Oui. Vu sa sensibilité, je pense que ce n'est pas un luxe. Installer un programme de protection contre les influences de la conscience collective. Oui. Donc, je ne détaille pas puisque tu le connais par cœur. Installer un programme de protection contre les influences lunaires et leurs mouvements. Oui. Un programme de protection contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de son corps. Oui. Un programme de protection contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle. Oui. Et donc ce fameux programme de prévention, donc pour le fameux vaccin. Pour cela, elle va créer une protection individuelle de chacune des cellules avec adaptation constante à toutes les mouvances. Oui, c'est fait. Elle crée une adaptation de son niveau de conscience pour les marqueurs quantiques. Oui. Et elle demande au niveau inconscient et spirituel de neutraliser les parties quantiques et toutes les autres connues et inconnues. Oui. Bien. Donc tout cela se mettra en action en cas d'injection. C'est bon. Ok. Alors à présent, elle va créer et installer son code de vie. Ah non, avant ça, je veux que tu programmes l'instabilité et l'indestructibilité de tous les programmes. C'est bon. Tu installes aussi un programme d'adaptation à toute situation. Et y compris au changement des lignes de temps. Oui. Bien. À présent, créer et installer son code de vie. C'est fait. Installer l'arbre de création et l'activer dans les deux sens. Oui. Installer la fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. C'est fait. Bien. Alors maintenant, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal de chacune des parties. 1, 2, 3. C'est fait. À toi de jouer. Elle se crée un espace sécurisé qui est de forme ronde. Elle se place au centre. À l'intérieur de celui-ci, elle déplace son atlas délicatement et ça déclenche cette onde puissante qui passe tout le long de la colonne vertébrale de haut en bas, qui passe vertèbre après vertèbre auprès de chacune d'elles, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'elles et qui les relie les unes aux autres et qui relie chacune d'elles à chaque organe et système auquel elle est reliée. Cette onde devient plus puissante au fur et à mesure qu'elle descend le long de la colonne. Arrivée juste avant le coccyx,
elle, juste avant d'entrer en contact avec la zone du coccyx, elle vient littéralement détruire. C'est des couches épaisses de mémoire compressée, de traumatisme. Et c'est expulsé en dehors de cette bulle de sécurité. Et cette onde devient calme, plus calme. Elle s'équilibre. C'est bon. Bien. Alors maintenant, elle va enrouler sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. C'est fait. Bien. Je vais présenter à son alimental l'ensemble des systèmes principaux desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun des systèmes, elle va procéder par remplace, annuler, remplace. Oui. Qu'est-ce que je... Annuler, remplace. Et donc, ouais, moi de mon côté, je vais effacer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour chacun. 1, 2, 3. C'est bon. Voilà. À présent, elle peut se servir de l'arbre de création pour refaire chacun des systèmes à neuf, suivant le modèle originel. Oui. Ah, je vais y arriver. Système cérébro-spinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Système lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire, hormones. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et tissus spécialisés. Oui. Le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Nous éliminons tout d'abord tous les programmes. 1, 2, 3 pour chacun, sur tous les plans comme précité. C'est fait. Bien. Pour les systèmes extrasensoriels, donc que chacun des canaux soit protégé et sécurisé, et ensuite activé. Sécurisé et activé. Bien. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Système kinesthésique. Oui. Dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Bien. Le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Ok, à présent c'est l'ostéopathie générale, donc au plus près de la physicalité. Oui, elle se sert d'une sorte de fil à plomb. C'est ce qui pour elle est au plus près de la physicalité. C'est par rapport à cette sorte de fil à plomb qu'elle équilibre tous les organes, systèmes de son corps, tous les muscles, tous les tendons, cartilages, jusqu'aux os. Ça crée des micro-mouvements dans tout son corps. Ça libère des tensions. Ça libère beaucoup de tensions. Il y a un nouvel équilibre qui se crée. C'est bon. Bien. La micro-kiné. Elle vient activer chaque point de concordance et ça vient déployer
harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle n'en a pas besoin. Très bien. Alors, le système des chakras avec les glandes associées. Chacune des glandes est décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Dans chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. C'est fait. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien tu en vois? 7. Bien. C'est bon. Vérifie le centrage, l'alignement et l'ancrage. C'est bon, c'est correct. Très bien. Elle va travailler sur son féminin sacré et son masculin sacré. Pour cela, elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. À présent, elle va équilibrer ses polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien. Et pendant que son élémental continue à travailler, nous prenons sa liste. Mmh. Ok. Donc, il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Donc, le premier point qu'elle a évoqué, c'est les problèmes d'audition avec ces fameux liquides. Donc, alors, qu'est-ce que tu peux dire au vu de ce qui a été découvert? C'est les dispositifs qu'elle avait. Ça venait déséquilibrer. Déjà, ça venait déséquilibrer tout l'ensemble de ses sens sensoriels, extrasensoriels. Mais celui-ci plus particulièrement, parce que c'est ces deux dispositifs-là qui étaient les plus, qui généraient le plus de fréquences. Très bien. Est-ce qu'il reste quelque chose, des traumatismes, des souvenirs, des empreintes, des études, des images ou des programmations? Il y a des mémoires, des empreintes et des traumatismes. Alors, on élimine partout où ça se trouve, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Maintenant, y a-t-il besoin de les réinformer? Oui. On réinforme et on stabilise. C'est fait. Bien. Que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque. Et reçoivent oui. De l'amour et de la force de vie. Oui. Se connectent également au cœur de Gaïa et reçoivent de la vitalité. Oui. Et se connectent à son essence pour recevoir énergie, information et conscience. Oui. Bien. Ok. Regarde au niveau de son système auditif maintenant si tout est bien nettoyé. Au niveau des liquides, de la production des liquides, qu'est-ce qui produisait ces liquides? De quel liquide tu parles? Mais il y avait des liquides qui se formaient dans les conduits auditifs. C'est une réaction d'élémental du corps. C'est l'origine, la cause, c'est les dispositifs qui créent des désordres, qui essayaient de compenser l'élémental du corps physique. La production de ce que tu appelles ce liquide agissait comme une sorte de tampon entre ces fréquences et l'élémental du corps physique. Ok. Ça a été éliminé là avec ce qu'on vient de faire?
Il n'y a plus rien. Ok. Il n'y a plus d'habitude, etc. Non, tout est parti. Bien, très bien. Alors, ces problèmes d'attention, de concentration, de dispersion. Bon, on a compris qu'il y avait toutes ces pastilles, toutes ces interventions. Mais qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Que vois-tu d'autre? Ces dispositifs-là, ils émettent déjà des fréquences par eux-mêmes, mais en plus, ils sont activés à distance. Parce que d'avoir des humains, des consciences humaines brouillées, désorientées, elles sont plus facilement contrôlables et manipulables. D'accord, ok. Sur cette nouvelle unité, il n'y a plus rien, tout est effacé, disparu. Il n'y a plus rien du tout. D'accord. Regarde au niveau de. On va faire. Partout où il y avait des dispositifs, en fait, on va pas se les faire un par un parce que ça serait trop fastidieux. Regarde s'il y a toutes les mémoires, les traces, les traumatismes, les habitudes, tout ce qui peut rester, regarde. Oui, il y a des mémoires, des habitudes. Ça a littéralement laissé des empreintes aussi et des traumatismes. Ok. Alors on élimine tout ça sur tous les plans comme précité, partout où ça se trouve. Pour tous les dispositifs qui étaient présents et qui ne sont plus là. 1, 2, 3. Oui. Bien. Alors que chacune des parties soit réinformée et stabilisée. C'est fait. Bien. Chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque. Reçoivent de l'amour et de la force de vie. Oui. Connectés également au cœur de Gaïa pour recevoir de la vitalité. Oui. Et donc à son essence pour recevoir énergie, information et conscience. Oui. Bien. Porte une attention toute particulière à son système neuronal. Dis-moi comment tu le vois à présent. Il faut lui apporter de l'énergie stabilisatrice. Ok. Est-ce qu'il a besoin d'envoyer des mémoires ou autre? Oui, c'est ce qui empêche que cette énergie stabilisatrice se pose. C'est parce Voilà. qu'il reste toujours des mémoires. Il y a des mémoires, des empreintes, des traumatismes, des Oui. souvenirs, des habitudes. Oui. Ok. Tout ça et tout ce qu'on n'a pas vu dégage avec. Ok. Tout ce qui contribue au dysfonctionnement et qui empêche que tout soit donc harmonieux. Donc je compte à trois et tout disparaît partout où ça se trouve, sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Maintenant que chacune des parties et l'ensemble soient réinformées et stabilisées. Oui, c'est bon. Bien. Que chacune soit connectée au donc chakra cardiaque, reçoive de la force de vie et de l'amour. Oui. Également connecté au cœur de Gaïa et à son essence. Oui, c'est fait. Voilà. Chacune reçoit ce qu'elle doit recevoir. Oui, c'est bon. Très bien. Comment tu vois son système neuronal maintenant? Maintenant, il est stabilisé. Oui. Les informations circulent de façon fluide. Les impulses électriques sont claires, elles n'interfèrent pas les unes avec les autres, tout est fluide et correct. Bien. Parfait. Alors, le fait qu'elle ait du mal à communiquer avec les autres, est-ce que c'est à la même cause ou c'est autre chose? C'est la même cause, c'est toute sa vie qui est comme téléguidée. Mais c'est principalement au niveau de ses rapports aux humains que ça se passe. C'est comme si tous ses rapports humains étaient faussés, déviés, et ça l'isole. Parce que il y a quelque chose en elle qui sent que ça ne fonctionne pas correctement, il y a quelque chose de ne pas correct. Donc d'une part, il y a un isolement du fait que c'est...
contact avec les autres soit téléguidé, et d'autre part, il y a elle-même qui, sentant que quelque chose n'est pas correct, se referme sur elle-même et s'isole. Bien. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que tout ça a changé et ça a disparu? Il n'y a plus rien de cette situation. Bien. Ça, c'était les reptiliens qui s'amusaient avec elle, hein, c'est oui. ça? Et les relations, d'accord. Oui. Ce qui fait qu'elle ait vécu avec un PN, donc je suppose que c'est le jeu des reptiliens? Oui, c'est le type de situation qu'ils aiment mettre en place. Très bien. Regarde maintenant sur cette nouvelle ligne de temps s'il y a des liens à rompre avec lui. Oui. Très bien. Et vérifie s'il y a des liens toxiques, quels qu'ils soient. Oui, il y en a. Très bien. Alors, on va tous les couper. Donc, on coupe tous les liens toxiques. À 3, dans les mêmes conditions que précitées sur tous les points, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Alors, par rapport à cette histoire de vente de la maison qu'elle a en commun avec, avec cet homme, regarde maintenant, connecte-toi sur la maison et regarde si tout est libre maintenant pour que les choses puissent se débloquer. Mais c'est libre, il faut aussi qu'elle coupe les liens toxiques avec la maison. Ah, donc elle n'a pas coupé tous les liens toxiques alors? Elle a coupé les liens toxiques avec ce qui est humain. Biologique humain. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a la maison et est-ce qu'il y a d'autres liens qui resteraient à couper? Avec des souvenirs de situations antérieures. Ok. Elle est prête à couper? Oui. Allez, on y va. On coupe tout ça. 1, 2, 3, dans les mêmes conditions que précitées sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Maintenant, regarde la maison et dis-moi si quelque chose ferait que ça empêcherait encore le déblocage. Non, c'est fluide. Il n'y a plus rien qui retient. Et de la part de son ex-compagnon, est-ce que tu vois, puisqu'il est, il en a la moitié, hein, est-ce que tu vois qu'il va pouvoir lâcher ça? En fait, il tire sur les liens, mais qu'elle a coupés. Parce qu'au travers de cette maison, c'est pour pouvoir tirer sur... Il se sert de la maison pour pouvoir tirer sur les liens toxiques qu'il avait avec elle. D'accord, donc là, il n'y aura plus rien. Ou qu'elle avait avec lui. Mais là, il n'y a plus rien. D'accord. Donc, on traitera la maison tout à l'heure avec son domicile. Mm-hmm. Bien fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette maison où elle a aménagé, qui a brûlé? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est désorganisé d'un point de vue énergétique, comme une sorte de pic, de court-circuit, mais là c'est au niveau énergétique. Mais ça vient des présences démoniaques. Ah. Et c'est comme s'il y avait une lutte de pouvoir entre les deux types d'entités. Et c'est comme si cette maison était un champ de bataille, un terrain de bataille, non seulement entre les humains, mais aussi entre les entités. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a des liens à couper avec cette maison maintenant? Et avec toute situation? Elle les a coupés. Bien. Alors, quand elle dit qu'elle veut se réaliser dans sa mission de vie, que peut lui répondre son soi supérieur par rapport à cette idée de mission de vie? Le soi supérieur est très, très loin de cette notion de mission de vie. Il ne sait même pas ce que c'est, en fait. Que peut lui répondre sa partie subliminale? Et je dirais que maintenant, sa partie subliminale est libérée. Oui. Bien. Alors, si elle lui pose la question, qu'est-ce qu'elle répond? C'est un programme matriciel. Et plus qu'un programme, ça c'est l'ensemble des programmes
qui a formé un égrégore, ça s'est transformé en un égrégore. Une sorte d'égrégore de mission humaine. Très bien. Donc c'est une façon de faire croire aux gens qu'il y a des missions à accomplir et que s'ils ne les accomplissent pas, ils doivent être mal, c'est ça ? Oui, c'est une façon de les aiguillonner, de les contrôler une fois qu'ils sont dans la direction de leur mission ou ce qu'ils croient être leur mission. Et cet égrégore absorbe leur énergie aussi. Bien. Alors donc, ce qu'il faut retenir, c'est que personne n'a de mission particulière. Il n'y a que la mission d'être heureux et de faire ce que l'on aime. Oui. Très bien. Et que si des impulsions viennent de l'intérieur, c'est qu'elles sont justes, tout simplement. Oui. C'est très différent de ce que l'on appelle une mission. Quand on veut se conformer à ce que l'on appelle une mission, ça crée une tension et ça crée un déséquilibre. Très bien. Bon, j'espère que ce sera bien compris. Donc, il n'y a pas de mission, il n'y a rien à accomplir. Alors, au niveau de ses cheveux qui tombent, regarde d'où ça vient. Trop d'impulsions de type électromagnétique au niveau de sa tête. Ça vient comme griller les bulbes des cheveux. Bien. Alors, est-ce qu'il y a besoin de... Il y a des mémoires ou d'autres choses ? Traumatisme. Traumatisme, d'accord. Alors, on élimine tout ça. Allez, sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Alors que chacun des cheveux, chacun des bulbes, maintenant, soit connecté au cœur de Gaïa. Non, à son chakra cardiaque d'abord. Reçoivent de l'amour et de la force de vie. Oui. Connectés au cœur des Gaïa, reçoivent de la vitalité. Oui. Et connectés à la source, reçoivent énergie, conscience et information. Oui. Et on va y mettre de l'eau primordiale. C'est fait. Bien. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ? Non, c'est bon. Bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que depuis qu'elle a pris contact avec nous pour prendre rendez-vous, il y a des choses qui ont évolué, mais en même temps des douleurs qui se sont réveillées ? Il y a des dégagements qui se sont faits. C'est-à-dire que de l'espace-temps où évoluent ces entités, il y a la vision en quelque sorte, ou la perception de ce que nous, on expérimente comme passé, présent et futur. Donc ils se sont éloignés, retirés, en prévention en quelque sorte, avant l'arrivée de la session. Et elle a été énergétiquement laissée livrée à elle-même en quelque sorte, mais en déséquilibre énergétique. Et c'est comme s'il y avait une sorte d'effondrement énergétique, un petit peu comme des dominos maintenus artificiellement qui tombent. Mais c'est ce qui a créé ces désordres sur le plan physique. Très bien. Alors j'aimerais que tu regardes, puisqu'ils ont, anticipé par rapport à cette séance, regarde s'ils ont fait quelques manipulations sur un plan quantique, sur des lignes de temps, pour pouvoir revenir ultérieurement. Ils sont déjà positionnés sur la ligne de temps de la métabolisation. Ils sont positionnés ? Mmh. D'accord. Donc, ils sont là. Ils seront là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter ? Garder intacte la situation énergétique présente. C'est la baisse de la situation énergétique qui est présente lors de la session. Au cours de la métabolisation, il y a toujours des hauts et des bas et des baisses de cette énergie spécifique. Mmh. Et c'est au moment de ces baisses qu'ils sont attirés
et qu'ils essayent de s'infiltrer. Très bien. Est-ce qu'il y a des protections particulières à faire pour qu'ils ne puissent pas, malgré ces baisses, s'infiltrer? Oui, il faut créer une sorte de comme de bulle de protection entre ce que l'on appelle le présent et le futur, et qui vient englober toute la phase de métabolisation. Alors, c'est ce qu'on va faire. Tu le fais maintenant jusqu'à la fin de la séance. Et bien sûr, pour tout le temps. C'est fait. Très bien. Regarde dans le futur, regarde s'il y a une baisse de fréquence et regarde s'ils parviennent à faire quelque chose. Non, il y a une sorte de mur de verre, de plexiglas infranchissable. Bien, très bien. Ok, on est plus malin qu'eux. Alors, elle a de la tachycardie, regarde au niveau cardiaque, donc si tout est rétabli avec ce qu'on vient de faire, ou si tu vois quelque chose à faire. C'est calme et régulier. Bien. Tout s'est stabilisé. C'était une réaction de l'élémental du corps physique qui ne supportait plus toutes ces ondes qui traversaient l'espace énergétique. Alors, autre chose, qu'est-ce qui se passait quand elle dit qu'elle avait des guérisons et des visions la nuit, des choses qu'on lui transmettait, ou qu'on lui transmet, avec des sons, et parfois avec des dialectes inconnus, incompréhensibles. De quoi s'agissait-il là? C'est des plans parallèles au plan 3D, qui sont assez proches du plan 3D. Mais c'est comme si on s'amusait avec elle. Ah oui. Ce ne sont pas des informations qui viennent en direct de sa propre source. Ah, et qui c'est Léon qui s'amuse avec elle alors? Qui s'amusait? C'est les présences démoniaques qui l'aiguillonnaient, qui ouvraient et qui fermaient des portes. Ce labyrinthe, les portes du labyrinthe. Ok. Donc là, sous cette nouvelle ligne de temps, ça n'aura plus lieu. Non. Elle peut sécuriser tous les états de conscience. Oui, c'est fait. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé quand dans sa chambre, elle a eu un grand flash, avec une lumière blanche, avec un déclic, où elle a vu sa tête encadrée? Qu'est-ce qui s'est passé, ça? Il semble que ce soit une sorte de... C'est comme si elle avait été enregistrée dans une sorte d'hologramme. Tous les humains dans sa situation sont comme enregistrés dans une sorte de galerie de portraits. Et son portrait, en quelque sorte, sur le plan éthérique, a été collecté à ce moment-là. D'accord. Ok. Ce portrait est encore présent quelque part aujourd'hui, ici et maintenant? Non, il s'est dissous tout à l'heure. Il n'y a plus rien, d'accord. Non. Ok. Bon, alors donc, elle a vécu une très grande souffrance à la naissance. Bon, est-ce que tu vois, puis les traumatismes qui en ont découlé, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose là maintenant? Non, il n'y a plus rien. Bien. On va regarder son corps mental et tu vas voir toutes les programmations, donc limitantes, délétères, tout ce qui ne permet pas d'exprimer le meilleur de soi et d'avoir les meilleures connexions avec son essence. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Des programmations et de limitations et des programmations de surréaction. C'est comme s'il y avait un système d'aiguillonnage qui était directement fixé sur des programmes. Des aiguilles qui viennent piquer. Ça part du corps mental pour aller venir piquer l'émotionnel. Bien. Alors regarde justement dans son corps émotionnel toutes les émotions et les sentiments liés à ça, à toutes ces programmations. Une sensation d'insécurité,
De perte de perte de sensation d'elle-même, avec cette très désagréable sensation de s'être trahie elle-même. Et au fur et à mesure qu'elle avance dans l'incarnation, elle le ressent de plus en plus fort. De la fatigue. Je sais pas, ça fait comme des sortes de flashs. C'est des flashs de dysfonctionnement. Il y a des blancs dans le corps émotionnel. D'accord. Ok. Et quand tu dis qu'il y a une sensation de cette trahison, ça veut dire qu'il y a de la culpabilité? Excuse-moi, est-ce que je peux ouvrir les yeux, s'il te plaît? Oui. Alors je vais compter à 3. Et à 3, tu ouvres les yeux tranquillement. 1, 2, 3. Faut que je me lève. Donc, nous en étions. Nous en étions donc. Ah oui, les programmes mentaux. Et donc le corps émotionnel. On est d'accord? Oui. Bien. Alors maintenant, je veux que tu regardes quelle est l'origine de ces. On va dire la racine mère de tout ça. Tu vas remonter aussi haut que possible. Aussi haut que nécessaire, tu trouves la genèse. Il y a de la culpabilité aussi dans le corps émotionnel parce que Voilà. quand je recherche l'origine, il y a cette culpabilité de ne pas réussir ce qu'elle est venue faire dans l'espace terrestre. Voilà. Son histoire de mission de vie. C'est ça le piège matriciel. Oui. Bien. Ok. Alors maintenant, remonte encore, cherche encore des traumatismes antérieurs. Il y a la déchirure de la séparation avec la source. Directement. Oui. Bien. Entre les deux, il n'y a rien d'autre. C'est ce qui vient en ligne directe. Bien. Alors, on va éliminer tout ça. Avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, et dans toutes les vies, dans toute la dichotomie, jusque dans toutes les parties d'elle connues et inconnues. 1, 2, 3. Oui. Scanne son corps mental et émotionnel et vérifie qu'il ne reste rien. Il n'y a plus rien, ça a tout dissous, tout effacé. Il n'y a plus rien. Très bien. Regarde au niveau de la peur. Est-ce que tu vois quelque chose? N'y a plus de peur. Bon, il n'y a bien plus rien. Donc elle va se programmer elle-même. Elle va déclarer qu'elle est souveraine, libre et autonome. Qu'elle a une puissance intérieure illimitée, une créativité illimitée. Qu'elle est digne et légitime. Digne d'être elle-même, d'être qui elle est et de faire ce qu'elle veut. Et totalement légitime. Qu'elle n'a Oui. pas de mission à accomplir. Elle l'a bien compris maintenant. Elle renonce à ce piège totalement absurde. Oui. Elle déclare qu'elle est amour. Je veux qu'elle ressente cet amour, qu'elle le fasse vibrer en elle, vibrer, rayonner, irradier à l'intérieur d'elle, dans chacune des cellules, systèmes, fonctions, organes, dans tous ses neurones. Oui. Et maintenant, à l'extérieur d'elle. Oui, c'est fait. Je veux qu'elle ressente cet amour puissamment, comme une sensation de certitude, une sensation de conviction profonde et de puissance tranquille. Oui, ça vient calmer et équilibrer toutes ces énergies. Bien. Ok. Alors, un autre point, elle dit qu'elle est intoxiquée aux métaux lourds suite à cet incendie. Regarde de ton côté si tu vois une intoxication. Oui, c'est comme une sorte de suite logique. C'est comme un poids supplémentaire par rapport à sa situation énergétique antérieure. C'est-à-dire plus elle a de poids, plus elle a d'ennuis,
plus elle a de difficultés sur le plan physique, plus c'est pointu et intéressant pour les êtres qui la téléguident. Oui, il y a quelque chose qui pèse, qui est lourd, et dont il y a encore le. C'est comme si ça générait une sorte d'odeur ou de brouillard autour d'elle, dans son espace énergétique. Bien. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que vous êtes toujours là? C'est plus là, mais il reste les mémoires. D'accord. Physiquement, il n'y a plus de métaux lourds dans son corps. Sur le plan physique. Sur le plan physique, il y en a encore. Très bien. Comment est-ce qu'elle peut évacuer ça? Avec les techniques qu'elle a déjà utilisées, sauf que c'est comme si ça n'était pas efficace jusque-là parce que c'était bloqué en amont. Ce qui est à l'origine, si ce qui est en amont d'un point de vue énergétique est toujours là, il n'y a rien qui ne change, ce n'est que très temporaire sur le plan physique. Mais là, OK. il n'y a plus rien d'un point de vue énergétique. Très bien. Ça va finir par s'éliminer. Est-ce qu'il y a des plantes ou des choses qu'elle pourrait prendre pour faciliter? Ce qui vient de fuiter, c'est Aïe des ours. Et il y a quelque chose de bleu, comme une sorte de poudre bleue ou de plante bleue. Est-ce que ça a à voir avec des algues ou des choses comme ça? Ah oui, c'est ça, c'est des algues. Mais il y a l'ail des ours, c'est comme s'il fallait les deux alliés, un alliage. D'accord. Ok. Et tu peux pas, si tu prends Si tu l'information, prends l'information. tu peux avoir le nom de cette algue? Je l'ai que en vision, mais je sais pas le nom. D'accord, donc c'est bleu. Ben, elle trouvera. Bien. Alors tu me disais qu'il y avait quelque chose à désactiver quand même sur l'autre plan. Oui, sur le plan énergétique, mais c'était lié quand elle a coupé les liens toxiques avec les situations et la maison, ça a désactivé. Cette sorte de nœud énergétique. Donc, Donc tout. d'un point de vue énergétique, c'est dénoué, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. D'accord. Non. OK. Très bien. Alors un autre point, donc, elle a rencontré une personne qu'elle dit que c'est une flamme jumelle, d'ailleurs qu'elle n'a pas revue. Regarde qu'est-ce qu'il en est là. Est-ce que C'est un leurre. c'est un leurre, hein? OK. Très bien. Voilà. Ça encore. L'effet désiré a été obtenu, c'est-à-dire une préoccupation et son énergie dirigée vers cette personne-là. Mais ça, il y a une impasse au bout. D'accord. Bon. OK. Est-ce qu'il y a des liens à couper par rapport à ça? Les a coupés tout à l'heure. Bien. Parfait. Alors, on va faire venir son fils et sa fille. Oui. Est-ce qu'ils sont là? Oui, ils sont là, à une certaine distance, mais ils sont là. Bon. Qu'elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et qu'elle leur propose donc de profiter de cette opportunité s'ils le désirent. Oui. Il le désire. Oui, mais il reste à une certaine distance. C'est comme s'il prenait modèle, mais en restant à distance. Parfait, c'est correct. Alors, demande-lui s'il veut un coup de pouce avant de commencer. Oui. Alors, puisqu'elle me donne leur permission, pour chacun, on élimine toute entité en lien direct et indirect avec chacun d'eux, jusqu'au plan archiavélique. Donc,
On va éliminer tous les implants, tout ce qui n'appartient pas à leur corps et énergie d'origine, avec traces, mémoire et empreintes. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Chacun va rompre tous les pactes, les consentements, les permissions, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création. Je compte à 3 et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. C'est bon. Chacun se crée des racines jusqu'au corps de Gaïa. D'abord, se met dans une bulle christique, avant tout. Oui. Se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence. Se connecter à sa source. Travaille sur l'arbre généalogique et sur son ADN. En voyant l'exemple de ce qu'a fait donc leur mère jusqu'à présent. Adapté bien sûr à leur situation respective. Et chacun va continuer sur ce que nous allons faire. Donc pour les retrouver à la douche finale. Oui. Est-ce que c'est bon pour eux ? Oui, c'est bon. Bien. Très bien. Alors, c'est la fin de sa liste. On va pouvoir continuer le protocole. Est-ce que c'est bon pour toi ? Oui. Bien. Couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, des cheveux, de l'ADN, etc. cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Aller sur le plan morentiel. Elle récupère toutes ses énergies. C'est fait. Parfait. À présent, activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double limbs 4 activés. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. C'est fait. Activation de l'implant neutre. C'est fait. En programmer la permanence et l'équilibrage. Oui, c'est bon. Bien. Maintenant, le processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. C'est fait. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Elle va programmer aussi la permanence et l'équilibrage de ce processus. Oui, c'est fait. Bien. Maintenant, guérison instantanée. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Elle fait descendre tous les codes, les énergies et les informations pour chacune. C'est fait. Elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double limbus 4 activée. Oui. Bien. Maintenant, elle va créer son baume de vie régénérant. Elle prend des cellules souches et de l'eau primordiale. Oui. Fleur de vie, graine de vie et double limbus 4 activée. C'est fait. Elle enduit son corps, des cheveux jusqu'aux orteils, à la surface et à l'intérieur. Elle insiste bien sur ses cheveux pour favoriser la repousse. Oui. Et maintenant, elle va le programmer pour être permanent et équilibré. C'est bon. Ça te fait ressentir quoi ?
C'est comme un léger frisson sur tout le corps. Mais c'est agréable. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que de temps il va falloir pour l'intégration totale de sa séance. Entre 8 et 12 mois. 8 à 12 mois. D'accord. Qu'est-ce qui va changer pour elle? Elle va se sentir plus stable, plus sereine, moins dans cet état de fuite en avant et de stress permanent. Ok. Est-ce que tu vois des effets rapides? Oui, comme si elle avait cette sensation de pouvoir enfin se poser. Ça va venir assez rapidement. Ok. Est-ce que tu vois des effets inconfortables dus à la métabolisation? C'est le mental qui tricote. C'est le mental qui tricote. Qui fait des allers-retours entre le passé, le futur. Et quelquefois, le tricot est trop porté vers le passé. Et ça lui fait baisser ses fréquences. Qu'est-ce qui fait que le mental ait ce comportement? Parce qu'il a besoin de tout expliquer, de tout rationaliser, de tout faire rentrer dans des cases. Et qu'est-ce que ça répond à quel besoin? Un besoin de sécurité. Bien. Ok. Alors, je veux qu'il trouve cette sécurité à l'intérieur de lui. Il va se connecter à son chakra cardiaque. Oui. Et à son essence et au cœur de Gaïa. Oui. Et je veux qu'il ressente maintenant cette sécurité intrinsèque due à sa naissance, à sa nature. Et qu'il ressente que, pleinement connecté à son essence et au cœur, la sécurité est effective. Et quelque chose de carré, de stable qui s'est installé. Très bien. C'est bon. Comment tu le vois maintenant dans la métabolisation? Beaucoup moins présent. Sa présence est beaucoup plus légère, moins interventionniste. Il se tient plus en retrait. Très bien. Donc on va conseiller à la personnalité elle, de lâcher le passé et de se tourner que dans l'instant présent. Oui, lâcher prise. Ne pas s'attacher à l'histoire, plus donner de l'importance, oui. Ni aux souffrances, ni etc. Oui. Ok. Très bien. Elle va enrouler son ADN d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. C'est fait. Bien. Je veux que tu regardes son domicile. Ah oui. Comment le vois-tu? Il y a des zones sombres, comme des ombres. C'est des ouvertures sur d'autres plans. Les zones sombres, c'est si elles s'y connectent, elles glissent vers d'autres plans. C'est dû à quoi ces zones sombres? Qu'est-ce qui les a installées? C'est sa structure qui les a installées. C'est sa structure énergétique. La structure donc, intérieure, tu veux dire? C'est ça. Donc, en fait, c'est elle-même qui les a installés. Bien. Regarde dans les sous-sols si tu y vois des désordres géobiologiques ou énergétiques. Il y a comme une sorte de quadrillage en dessous. Il y a deux croisements qui émettent des fréquences qui viennent entretenir ces zones plus sombres où elles se connectent à d'autres plans. D'accord. Ce sont des croisements naturels? Oui. Ok. Donc, elle va faire une dalle suffisamment épaisse pour
en couper l'influence qu'elle va programmer pour être indestructible. Oui. Et avec des tuyaux qui vont évacuer les énergies, qu'elle ne reste pas bloquée, stagnée, évacuée à l'extérieur, loin des habitations. Oui. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Alors, elle fait une puissante tornade et elle nettoie tout le passé. Elle nettoie tout. Oui. C'est fait. Bien. Alors, avant de continuer, on va regarder l'autre maison, celle dont elle parle, qu'elle a mis en vente. Voir si elle a besoin d'un nettoyage également. Oui, l'énergie est toute assurée. Ok. Regarde les sous-sols. Là, il y a des croisements aussi en dessous. Donc, elle fait la même chose. Allez. C'est bon. Elle fait une grosse tornade, elle nettoie tout. C'est fait. Et maintenant, pour les deux maisons, on fait la même chose. Donc, installation, fleur de vie, graine de vie, plaque Tesla et double lémiscate activée. Oui. Partout où c'est nécessaire. C'est bon. Sur les deux contours, on installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. On y impose une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. C'est fait. Sur tous les plafonds, on y met un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Qui produit par ailleurs un puissant effet Niagara. Et avec un son et un parfum qui se modulent. Oui. Elle remplit tous les espaces de sa propre énergie. Oui. Elle les place dans une bulle christique et elle-même aussi. C'est fait. Très bien. Alors, nous allons programmer les protections de tous les différents états de conscience. Oui, c'est fait. Relier le début et la fin de la séance. Oui. On va créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de la métabolisation complète et réussie. C'est fait. Ces deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui. À l'intérieur, son élémental. Oui. Ses bulles de création et ses bulles d'intention. C'est fait. On installe la fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Autour le corps diamantin. Oui. Bien. Et nous allons sécuriser toute la séance. Donc, pour le maintien et l'intégralité de toute la séance qui a été réalisée sur tous les plans, les espaces-temps, lignes de temps, tous les plans de réalité, les plans fractales, multidimensionnels et quantiques. Donc, tout est sécurisé, inviolable et indénaturable. Oui, c'est fait. Voilà, donc tu as installé le programme tout à l'heure contre ces entités démoniaques. Oui. Voilà. Bien, eh bien, on va pouvoir demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Du point de vue du soi supérieur, la partie physique a réintégré la zone de communication. Du soi supérieur. Mmh. Elle n'est plus coupée et à l'extérieur. Donc pour lui, c'est correct. Est-ce qu'il a des choses à lui dire ou à lui conseiller à sa partie physique pendant qu'elle l'écoute ? Que la partie physique reste calme et centrée. Qu'elle ne se laisse pas emporter par son mental. Qui lui cherche à tout disséquer, comparer, évaluer, tracer, ranger, empaqueter. Qu'elle reste simplement à l'état neutre, connectée, centrée. Et là, le lien de communication se fait directement avec le soi supérieur.
Qu'elle s'installe dans l'état du point zéro. Oui. Bien. Ok. Regarde son âme, comment tu la vois? Elle s'est débarrassée de tout ce qui était trop lourd, encombrant, faux. Il y avait des fausses mémoires. Elle était encombrée de fausses mémoires aussi. Elle a posé tout ce fardeau comme on pose un manteau trop lourd. Et là, elle est légère, soulagée, légère à côté d'elle. Bien. Comment tu vois sa partie subliminale? Pleine d'énergie, elle se, c'est comme si elle se déplaçait à grande vitesse d'un point de vue énergétique. Elle se déplace sur les canaux de communication entre les différentes parties d'elle-même, mais tout en restant autour de la partie physique. Elle n'est jamais très loin. Elle n'est pas traumatisée par cette expérience de flamme de l'enfer. Non, elle n'a pas la même perspective des choses que l'on peut avoir sur le plan physique humain. C'était simplement comme quelque chose qui la retenait, qui la bloquait d'un point de vue énergétique. Donc ça n'est plus là. Ça a disparu, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Eh oui. Très bien. Eh bien, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et dans cette nouvelle version de Anna. Et donc, regarde si ses enfants ont terminé le travail. Oui. Bon, alors chacun va trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie, d'informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et les apprécier pleinement. Oui. Dans la cellule de chacun, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Dans l'atome mère également. Oui. Et la particule mère. Oui. On finit par la douche christique, or, diamant et bleu. C'est fait. Bien. Alors, suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Anna avant la séance et quelle est-elle maintenant? Elle est à 55 et maintenant elle est à 115. Bien. Est-ce que ça va bouger? Oui, ça va bouger, ça va continuer à monter jusqu'à 120, 122, 123. Très bien. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Nous allons redescendre nos fréquences. Oui. Nous réancrer, partant du coronal. En passant par chacun des chakras, jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Et avec ta respiration, tu aspires son énergie pétillante, frétillante, bouillonnante, pleine de vie, de force, de puissance. Tu peux sentir cette énergie en toi, qui t'énergétise, qui te fait vibrer et pétiller. Oui. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. C'est bon pour le retour? Oui. C'est parti. Coucou. Tu ressens tout? Oui. J'entends. À nous. Tu peux y aller, Anna. Tu peux en mettre le son ou t'exprimer parce que je crois que tu ne l'as pas coupé, hein. Oui. Il est à côté, Allô? hein.
Nous t'écoutons. Donc, alors, qu'est-ce que tu penses? Vraiment, gratitude infinie. Je suis extrêmement reconnaissante de tout ce que j'ai fait. Eh bien, tout ce que vous avez dit, ça va tout à fait. Ce que je voulais résoudre, disons, avoir l'explication de ça, parce que c'est beaucoup. J'avais regardé une émission ou deux, peut-être deux, il y a 6 mois au moins, au moment où j'ai réservé, c'est là que j'avais une personne avait dépassé et j'avais retrouvé plein de choses qui me correspondaient. Et je me suis dit, c'est ce que je cherche, un soin comme ça, mais depuis des dizaines et des dizaines d'années. Hein. Voilà. Alors, c'est vraiment formidable pour moi. C'est excellent. On ne peut pas mieux faire parce qu'avec tout ce que j'ai fait comme soin, je cherchais tout le temps, mais là, j'ai trouvé. Et donc, ça va être vraiment un renouveau pour moi, vraiment une vraie renaissance, ça c'est clair. Hein. Tout me parle, hein. Tout ce que vous avez fait, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Parce que la souffle, je crois. Mais j'ai jamais lâché prise, hein. Je suis persévérante, je suis lion, alors. Mais quand même, hein. Voilà, j'ai mes limites parce que là, je me sentais vraiment avoir énormément diminué en énergie. Et là, je vois bien que l'énergie va revenir petit à petit, hein, parce que j'en avais quand même sur le dos. Hein. Parce que quand vous avez parlé d'ombre, justement, il y a quelque temps, j'ai vu ces ombres arriver sur moi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé dans ce que vous avez dit, que je n'ai pas évoqué, bien sûr. Hein. Voilà, très bien, formidable. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire. Tu as senti même des choses pendant ta séance? Alors, je l'ai, le bras gelé, mon bras et ma main complètement gelée, et ce qui correspondait à la fibromyalgie. Hein. J'avais tout le côté gauche de gelée au niveau du bras, le haut du cou, tout ça. Là, c'était le cou, c'était tout bloqué aussi. Et là, donc, ça travaille aussi. Hein. C'est comme s'il y avait des résurgences encore au niveau de cette maladie. Ça ressort de temps en temps. Et lorsque je fais des soins, notamment, hein, voilà. Et là, je continue toujours des soins, hein, Human Process, etc. Maître, mais là, maintenant, parler, là. Ici et maintenant. Là, j'ai encore les mains gelées. Hein. Je suis gelée au niveau énergie. Bon, là, mais ça va se faire. Voilà, il faut que ça se fasse. Hein. C'est normal. Hein, voilà. Voilà. Non, mais là, c'est extraordinaire. On ne peut pas mieux faire. Hein. C'est parfait. Hein. Plus que parfait. Hein. Voilà. merci. Bon. Je vous ai fait galérer au départ. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Là, c'est vraiment, c'est de l'amour, c'est de la lumière, c'est tout, quoi, hein, toutes les bonnes énergies qu'il me faut, quoi, hein, qui vont me remettre sur pied, qui vont me permettre de voir la vie d'une autre façon et vraiment d'être dans la lumière et puis formidable, quoi. J'ai compris très bien pour la mission de vie, hein, il n'y a pas de souci. Je fais ce que je peux, comme je le sens, s'il te plaît, c'est formidable. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, hein, parce que j'étais toujours des contrats. C'est ce qui s'appelle être libre. Hein. Pour mieux, hein. C'est miraculeux, hein, voilà. C'est mieux qu'aller à l'eau. C'est différent. Merci. Voilà. Bon, tu as compris que la balle. Tu as compris que la balle est dans ton camp maintenant, donc attention au mental, hein, de ne pas tournicoter le passé, etc. Hein, tu as compris? De ne pas trop toujours analyser, couper les cheveux en quatre et décortiquer. Sens-toi libre par rapport à tout ça maintenant. Hein, tu n'es plus obligé. Oui, et encore, je le sens pour certaines personnes. Là, je peux te dire qu'il y a des gens, attention, hein. Ceux qui ont du 7, là, le psychique, ça y va. Hein. Bon, bah là, on parle de toi. Hein. C'est aussi à vous. Donc, dis-moi, tu connais mon conseil, hein, de revoir ta vidéo, de la réécouter autant qu'il le faut pour que tu aies bien. Voilà. Hein, je vais même la noter, hein, je vais toute la noter parce que moi je note tout, hein, parce qu'avec ma cervelle que je n'ai pas de mémoire. D'accord. Voilà. Parce qu'en même temps, pendant que tu écoutes les énergies circulent, voilà. Hein, pendant que tu l'écoutes, les énergies circulent, ça réactive des choses. Donc, c'est important que tu l'écoutes plusieurs fois. Oui. Ça me fait des piqûres de rappel. Il n'y a pas de souci. Merci. Bon, j'espère que tu nous donneras des nouvelles, hein, par SMS ou par mail. Merci aussi pour mes enfants, hein, parce que pour eux, ça n'a pas été facile d'avoir une mère comme ça. Hein. Même si je me mettais en 4, en 8, pour eux, ouais. Bon, ben, c'était comme ça, ils ont choisi. Ils m'ont choisi comme mère, alors qu'est-ce que tu veux. En tout cas, c'est ainsi, et toute expérience, comme diraient les soins supérieurs. Hein. Chacun est à sa juste place. Merci. Au plaisir et pas de problème. Tu m'autorises à publier la vidéo? Oui. Hein, comme on l'a dit, dans les conditions qu'on a dit, c'est-à-dire flouté? Oui, flouté, oui, je préfère, d'accord, s'il te plaît. Bon, merci à toi, Anna, et merci à Emmanuel. Oui, parce que là, franchement, c'est du travail, hein. Bon, ça vous prend aussi beaucoup d'énergie et puis de temps. Hein. Voilà, très énergivore. C'est un plaisir.
Merci, au Bonne revoir, soirée, bonne Anna. soirée. Au revoir. Ouais, bonne soirée. À bientôt. Semaine, au revoir. Bon, alors là, il faut couper.